Ne négligez pas la vie spirituelle de vos enfants. Vous ne savez pas ce que le Seigneur les appelle à faire. J'étais dans une vie de péché, parce qu'à la veille du baptême à catholique, j'ai commis l'impudicité et j'avais toujours des pensées de suicide. Toujours. Dès que je passe sur le pont, j'ai juste envie soit de me jeter sur la route, de me jeter à l'eau. J'ai passé toutes mes soirées au bord de la rivière. Je sentais comment les eaux m'appelaient. Ne te laisse pas condamner par ce que tu as fait. Ça, c'est un mensonge. Même si tes parents viennent te dire non, toi, tu prends ta prière, ne monte pas. C'est faux. Un homme va se présenter devant moi. Cet homme va me dire: comment tu as fait pour me résister? Comment tu as fait pour être libéré de mes chaînes? Je vais lui dire, ce n'est pas moi, c'est le Dieu qui est en moi. Mon père va me demander de faire un choix entre lui et l'église. Le Seigneur va m'interpeller sur l'habillement et il va me dire, je ne veux plus que tu rentres dans ma présence la tête ouverte. Je veux plus voir ton corps exposé. Le Seigneur m'a fait grâce, homme de Dieu, de visiter certains compartiments de l'enfer. Satan ne nous opprime pas sur la terre. Il nous attend en enfer et c'est là qu'il va te faire vivre ton péché multiplié par mille. L'origine du ciel, c'est le venin du serpent. Je vais entendre Satan lui-même qui dira que tous ceux qui mettent les mèches, tous ceux qui mettent les pantalons, toutes les femmes qui montent sur la chair, Dieu ne les connaît pas.